Et bonjour tout le monde, allez c'est parti. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un haul Shein. Donc c'est pas la peine que je présente le site, je pense que tout le monde connaît ce site web. Voilà. Bon, bien sûr c'est pas forcément un site on va dire très très écolo, mais je commande de temps en temps et je demanderai si c'est possible de pas faire de commentaires on va dire à ce propos là. Bien sûr j'ai conscience que c'est pas le meilleur site pour commander, mais il y a tant d'autres entreprises malheureusement même françaises qui collaborent avec des pays étrangers que je pense que dans tous les cas c'est malheureux, mais dans tous les cas ça fait partie de la société et je suis d'accord avec vous, il faut remédier à tout ça, surtout pour les salariés qui sont vraiment très très peu payés. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je commande vraiment de temps en temps et là j'avais envie de me poser avec vous pour vraiment faire une vidéo tranquille dans un quotidien assez mouvementé pour ma part en tout cas en ce moment. Donc merci de ne pas critiquer ce site parce que voilà, c'est quand même un site on va dire là où les prix explosent de plus en plus. Et le Made in France malheureusement est cher et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Bon certes on est beaucoup plus taxé qu'ailleurs, je pense que c'est une raison. Mais on devrait pouvoir trouver du Made in France moins cher aussi, je pense. Donc ça aussi, c'est à eux de travailler là-dessus. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Je vais tout simplement vous parler donc du site Shein. Sachez qu'il y a plein d'autres magasins qui sont fabriqués en Chine ou à Taïwan, etc. Donc, autant vous dire que dans tous les cas, partout où on va, j'ai bien peur qu'on ne dise pas vraiment la provenance, de toute façon. Voilà. Bon, toujours est-il que les prix sont quand même très attractifs, qu'il y a souvent des promos et qu'il y a quand même de quoi de temps en temps se faire plaisir et s'habiller pour pas trop cher. Donc je trouve ça quand même intéressant. Alors c'est parti. Je pioche au hasard. Hein. Par contre, le seul reproche que j'ai à faire, là c'est si jamais ils m'entendent, hein, on sait jamais... C'est qu'effectivement, une pochette par vêtement, je trouve, c'est bien hein, parce que c'est protégé. Ça change, on va dire, des colis où tout est mis en vrac et puis après, vous l'avez dans la boîte aux lettres presque avec un habit déchiré. Bon, j'abuse, hein, mais voilà. C'est réutilisable après, hein, même pour vos maillots de bain mouillés, tout ça, vous pouvez le réutiliser, ces sachets. Mais voilà, si vous pouvez mettre un gros sachet à la limite avec tous les articles à l'intérieur, puis dans le sachet qu'on reçoit dans tous les cas... ça serait, je pense, beaucoup plus judicieux si jamais ils passent par là. C'est le seul reproche que j'ai à leur donner pour le moment. Alors, qu'est-ce que je pioche de beau? C'est marrant parce que je pioche au hasard en plus, là. J'ai laissé mes colis toute la semaine et puis je me suis dit, bon, il faudra peut-être que je me motive pour faire la vidéo quand même, de manière tranquille. Alors, une petite robe. Alors, par contre, j'ai plus les prix en tête. Mais franchement, chez lui, ça doit tourner autour de 15 euros à peu près la robe. Franchement, en termes de qualité, on est pas mal. On se rapproche du Zara et tout. Et c'est vraiment beaucoup moins cher. Hein, tout le monde vous le dira. C'est une très jolie robe. Je pense qu'elle va m'aller en plus. Donc, je suis contente. Elle est vraiment très, très sympa. Je ne sais pas si vous voyez les détails. Vous avez des petits liserés comme ceci. C'est légèrement ajouré ici. D'habitude, j'aime pas. Mais je me dis que pour les vacances ou pour l'été ou avec un maillot, franchement, c'est pas trop choquant. Et c'est pas non plus ouvert. C'est juste, ça laisse apparaître la peau de manière très subtile en fait. Donc à la limite ça me dérange pas et c'est pas trop au niveau du ventre, c'est vraiment ici. Donc c'est ça aussi qui me dérange pas trop, vous voyez. Sinon, en termes de longueur on est pas mal, je fais 1m66. Ça arrive presque un peu au-dessus du genou, donc ça j'ai souvent peur sur Shein parce qu'autant vous dire que les modèles sont très grandes. Moi je fais 1m66 déjà, mais je fais pas 1m72 ni 1m73, donc des fois je vois que c'est un peu court, donc ça, je me dis non je peux pas commander ça. Mais je vous suggère de regarder les photos et de regarder leur taille parce que ça serait dommage de passer à côté d'une pépite pour finalement vous dire que ça va être trop court qu'alors c'est la modèle qui est trop grande. Voilà. Donc très mignon, très mignonne. Franchement, je suis plutôt contente. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je suis plutôt contente et satisfaite de cette robe, vraiment. Elle est vraiment très très jolie. En termes de qualité, je pense qu'on y est. Après, bien sûr, avoir au lavage. Mais comme toujours, ce sont des articles que je lave à l'envers et que j'essaye de laver en couleur.
Et plutôt vers 30-40 degrés, parce que ça sert à rien de faire un gros lavage, c'est pas des habits de travail, hein. C'est des habits, voilà, juste qu'il faut laver comme ça, mais c'est pas non plus la peine de mettre une grande température. Ensuite, je pioche une autre robe. Donc là, c'est plusieurs petites commandes en fait, hein. C'est pas tout le même jour, je vous rassure, ce sont plusieurs commandes que j'ai faites plutôt et que j'ai laissées de côté. Et du coup, là, je voulais vous montrer quand même. Ça, c'est une petite robe chemise géométrique. J'ai beaucoup aimé. Bon, il faut oser, hein, je vous l'avoue. Il y a toujours la petite ceinture comme ça. Pareil, hein, franchement, pas mal. Elle arrive même après le genou. Donc, je suis très satisfaite. Vous pouvez même mettre une ceinture haute que celle-ci, si vous voulez. Une ceinture noire. Ou... Vous pouvez vraiment agrémenter comme vous souhaitez. Après, le seul problème, c'est que c'est marqué qu'elle n'est pas transparente, mais moi, je trouve qu'elle est légèrement transparente. Bon, c'est quand même léger, c'est subtil. Il faudrait mettre, en fait, un soutien-gorge couleur chair, des sous-vêtements couleur chair, à la limite, pour que ça soit vraiment subtil et qu'on ne voie pas l'effet de transparence. Voilà, pour cette robe-là. Pas mal du tout, hein. Franchement, je suis contente aussi. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de les essayer, mais ce que je ferai, c'est que j'essaierai de mettre sur Instagram quelques photos quand je les porterai. Et éventuellement, je vous mettrai mon compte Insta en barre de description. Si jamais, c'est Cocomis Vargas. Cocomis tout attaché, et après, c'est Vargas. Voilà, on sait jamais. Alors, on va y arriver. Une robe... Ah, celle-là, je la kiffe. Je suis contente. Franchement, je suis contente. J'ai pris mes tailles habituelles. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, j'adore les habits comme ça, un peu léopard. C'est très, très tendance. Le seul problème, c'est qu'elle est... Pardon, je vais enlever ça. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu trop grande, je trouve, pour 1m66. Là, si vous êtes un peu plus petite, à la limite, ça sera plus avantageux pour vous parce que ça fait un peu mémérisant aussi quand c'est trop long. Après, ça dépend. Si vous mettez une ceinture pareille et que vous la blousez, vous voyez un petit peu, je pense que ça sera plus sympa de la faire un peu remonter, vous voyez. Ce sont des faux boutons, ce que je préfère. C'est marqué dans les commentaires de toute façon. Et c'est ce que je préfère parce que sinon, les boutons, quand ils sont de mauvaise qualité, ça fait que s'ouvrir. Donc, autant que ça soit des faux. Et vous avez également la petite ceinture. Mais bien sûr, vous pouvez agrémenter pareil hein, avec une autre ceinture. Et cette robe, elle m'avait coûté à peu près 14 ou 15 euros. Ce n'est pas excessif non plus, je trouve. Voilà. Ah, celle-là, c'est le coup de cœur de ma commande comme celle-ci. Ça, c'était une commande de 4 articles, en effet. Et il y avait aussi des sandales. Il faut que je vous les montre, d'ailleurs. C'est des sandales classiques, en fait, à la lanière beige. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée. Bon, elle est certes un poil plus chère, mais elle me fait penser à du 9-9. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que j'ai bien choisi. Personnellement, j'ai pris ma taille. Je perds ma voix. Ça fait penser à du 9-9 ou du camailleux. Vous me direz ce que vous pensez. Elle était un petit peu plus chère, mais quand je dis plus chère, elle ne devait pas non plus... voilà, c'était pas à 30 euros, quoi. Ça, c'est sûr. Après avoir au niveau de la taille, j'espère qu'elle m'ira. Sachez que vous pouvez les retourner. Bon, moi, j'ai toujours la flemme, mais normalement, vous pouvez les retourner. Vous avez les petites manches comme ça. Ça fait très robe, vous savez, un peu champêtre, un peu d'époque et tout. Moi, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'espère qu'elle va m'aller. Et au niveau de la qualité, celle-là, même, ils l'ont dit sur les descriptions, il n'y a pas de doublure, mais elle n'est pas du tout transparente. Elle est épaisse, par contre. Donc, peut-être plus à mettre au printemps avec une petite veste, vous voyez. L'été, j'ai peur d'avoir un peu chaud. Mais bon... Ou alors un soir d'été, voilà, vous trouvez toujours un moment pour mettre la robe. Je vais aller vous chercher carrément les sandales beiges aussi que j'avais de cette commande. Alors, j'arrive. Les sandales, c'est pareil, ça taille plutôt bien. Donc, voilà. Voilà, vous recevez ça proprement dans une petite boîte, vraiment comme en magasin, quoi. Là, j'ai pris ma taille, donc il faut prendre sa taille habituelle en général. Regardez bien les commentaires, parce que ça dépend des chaussures, bien sûr. Vous avez le côté antidérapant. Et là, franchement, j'ai dû les payer 10 euros. Donc, des fois, vous voyez, les chaussures, ça coûte super cher, quoi. Là, pour 10 euros, vous avez une petite paire de sandales comme ceci, avec des petites brides.
J'aime beaucoup aussi que ça soit carré comme ça, c'est très très tendance, je trouve. Voilà, des petites chaussures plutôt sympas, plutôt classiques. Vous verrez que j'en ai pris une autre paire un peu plus travaillée pour travailler justement, parce qu'il me faut des chaussures fermées avec. J'en avais plus en fait de l'été dernier. Et pour mon travail, je ne peux pas vraiment mettre ça. Bon, je peux, mais moi je préfère mettre des chaussures quand même fermées pour que ça fasse un peu plus présentable. Voilà. Voilà, après, une autre petite commande et après on aura une grande. Alors, une autre petite commande. Alors, c'est en fait un petit haut. Oh, il est trop mignon. Franchement, il va m'aller, je pense. C'est une taille S. J'ai bien fait parce que moi, en haut, je fais plutôt du S d'ailleurs. C'était marqué que ça taillait un peu grand. Donc là, je pense que ça sera ma taille en plus. Je suis contente. Oh, il est magnifique. Il devait coûter dans les 10-11 euros. Franchement, il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore les papillons en plus. Donc, il y a plein de petits papillons comme ça. Vous avez ça. Enfin, c'est vraiment bien fait chez une quand même. Il n'y a rien à dire. Le petit lacet à l'arrière. Pour 11 euros, je veux dire, personne ne saura que je l'ai acheté à Chine. C'est vraiment une qualité vraiment géniale. Je suis toujours épatée quoi, de leur qualité de mieux en mieux. Et on dirait un haut, je vous jure, franchement, c'est un haut, on ne le trouve pas partout. On dirait un haut qui coûte super cher et tout, alors en fait, pas du tout. Donc, trop contente. Comme quoi, ça ne sert à rien de mettre cher dans les articles, hein, franchement. Ça, après. Alors, également un très très gros coup de cœur. Pareil. Il y a la petite ceinture qui est tombée, c'est pas grave. En taille M, toujours à ma taille. Plutôt pour le printemps, celle-ci. Oh, elle est trop belle. Vous me direz ce que vous en pensez. Celle-là, je la vois partout sur YouTube. Oh, c'est vrai que c'est mon coup de cœur, celle-là. Je suis trop contente de l'avoir prise. Regardez, elle est trop, trop jolie. Franchement, la qualité est là. Le motif est super beau. Oh, celle-là, je sens que je vais vraiment la mettre souvent. Avec des petites sandales et tout. Là, je suis refaite. Hein. Je vous avoue qu'en termes de robe, je pense que d'un moment, je ne vais plus acheter. Franchement... Ah là là, je suis trop contente. Et en plus, c'est une robe qui devait coûter pareil 19 euros, quoi. Donc, je suis trop, trop contente. Voilà. C'est bien parce que ça me remonte un peu le moral, parce que j'avais le moral un peu dans les chaussettes cette semaine. Donc, voilà. Bon, c'est ça qui est bien, nous les filles, on a toujours nos... On va dire nos petits moments... qui nous rend heureuse, c'est des petits moments un peu ridicules, enfin ridicules, on va dire un peu, voilà, c'est pas... Mais bon, ça fait plaisir quoi, ces petits trucs de la vie qui font plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait toujours du bien de satisfaire un peu, de se satisfaire un petit peu de choses un peu entre guillemets futiles, mais quand même sympa quoi. Cette super robe aussi, alors j'ai peur que celle-là soit un peu grande, je sais pas comment ça marche, le décolleté est un peu grand celle-là. Au pire, je mettrai un point, mais sinon, elle est magnifique aussi. Je suis trop contente. Elle est encore plus jolie, je trouve, que sur la photo. Ah bah alors, j'ai vraiment bien choisi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai du goût. Hein. La fille qui se vante, quoi. D'habitude, je me vante jamais, mais... Là, j'avoue que pour le coup, j'ai quand même bien choisi. Vous me direz en commentaire, mais je trouve que j'ai choisi des choses... J'ai essayé... En fait, ce qu'il y a sur Shein, c'est qu'il faut beaucoup regarder les commentaires. Et avant, je le faisais pas. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup mieux regardé les commentaires. J'ai pris le temps de commander, j'ai pris le temps de voir s'il y avait des codes promo. Et c'est ça, en fait. Il faut vraiment que ça soit beau et regarder les commentaires. Sinon, effectivement, des fois, on peut être déçu. Je fais un peu mon ménage entre-temps. Je suis désolée, mais c'est que je déteste laisser traîner tous les papiers comme ça. Et enfin, j'ai une dernière grosse commande. Alors... Alors là, il y aura de tout. Hein. Là, vous avez un petit chapeau. Ils font de tout sur Shein. Un petit chapeau. Désolée pour le bruit. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir maintenant parce que j'ai envie après de me faire la surprise. De l'ouvrir que quand je le mettrai. Mais en fait, c'est un petit chapeau de paille comme ça. Je ne sais pas si c'est de la vraie paille. Hein, mais franchement, très très beau. Pareil, il n'a pas coûté bien cher. Il a dû coûter 15 euros. Quoi.
avec en fait je vais quand même vous l'ouvrir peut-être pour vous montrer quand même. Bah oui. Désolée pour le bruit encore une fois. Il est très très bien emballé quoi. Il est doublement scotché et tout. Je ne sais même pas si je vais réussir. Je ne sais même pas si j'ai une tête à chapeau en vrai. Je vais essayer. Alors, prends un ciseau. Elle est vraiment emballée. Hein. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment bien fait. Il y avait même le petit, vous savez, pour mettre la forme sur le chapeau et tout. Il y avait même le rembourrage et tout. Enfin bref, très très beau. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits coquillages. Regardez comme c'est trop bien. Ça vaut vraiment un chapeau de grande qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Des petits coquillages avec des petits pompons et le petit nœud à l'arrière. Voilà, là quand même, on le voit beaucoup mieux. Je ne sais pas si j'ai une tête à chapeau. Je ne sais même pas si j'ai pris pas un peu trop grand. Oula. Je pense pas avoir une tête à chapeau. En vrai, je pense l'avoir pris un peu trop grand. Je sais pas. Bon, après, j'ai envie de vous dire, pour l'été, pour la plage et tout, ça peut passer, quoi. C'est... Bon, j'ai pas trop une tête à chapeau. Je crois qu'en plus, je l'ai pris grand, en fait. C'est pas que j'ai pas une tête à chapeau, mais c'est que je pense que je l'ai pris quand même un peu trop grand. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pour aller à la plage et tout, moi, je me prends pas la tête. C'est juste histoire de... d'avoir un chapeau pour se protéger quand on est au bord de la mer. Donc, je le mettrai quand même. Voilà. Après, je vais voir si on ne peut pas le resserrer aussi parce que je vois que là, il y a des petites ficelles, vous voyez. Ah, mais c'est vraiment très bien fait. Il y a des petites ficelles ici. Est-ce que ça ne servirait pas? Ah, ben si, je pense que ça sert à resserrer. Donc, à voir. À voir, mais vraiment, il est très, très joli, ce chapeau. Après, ah, ça aussi, ça va être un coup de cœur. La fille, elle n'a que des coups de cœur, là. Ah ouais, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je l'ai vue, j'ai fait oulala. Trop belle. J'adore les couleurs en fait, ce rose avec ce marron camel plutôt et un peu blanc, et puis ça se serre ici, j'adore ça l'été moi. C'est smoké, donc ce que j'adore dans le smoké comme ça, c'est que ça s'adapte, et puis en plus une fois que c'est mis, il n'y a plus besoin de calculer. Oh, elle est très très jolie, c'est un peu tie and dye, vous voyez, enfin c'est pas tie and dye, mais oh, elle est très très belle. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, trop trop jolie. Ah là là, je sais pas, mais je sens que cette commande est plutôt cool, donc je suis contente. Ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Ah, ce tissu est magnifique. Depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est. Donc en fait, c'est une jupe en taille M. Donc par contre, je crois qu'elle va pas m'aller. Je suis trop déçue, mais je pense que je la revendrai au pire parce que moi, je fais du 40 et je sais pas ce qui m'a pris de prendre du M. En fait, j'ai dû croire qu'elle était extensible. Mais en fait, c'est avec une fermeture. Donc, soit je prends du 40, et encore, je pense qu'il me faudra même du 42. Mais je sais pas trop. Elle taille petit en plus. Donc, soit je me la reprendrai en 42 à l'occasion, je verrai bien. Par contre, elle n'est pas transparente. Le motif est magnifique. La jupe, je suis vraiment déçue parce qu'en plus, elle est vraiment trop belle. Vous voyez, elle est vraiment comme sur la photo. C'est-à-dire asymétrique un peu comme ça. Oh, c'est trop beau, ça fait un peu aspect mouchoir, vous voyez ce que je veux dire? Elle est trop trop canon, c'est vraiment dommage. Mais bon, celle-là, de toute façon, je vais la vendre, c'est sûr, je vais la vendre sur Vinted ou quoi, je vous mettrai mon Vinted à la limite. Mais faites un bon 36 parce que je pense qu'elle taille même petit, ou alors un 38, mais vous voyez, avec aucun ventre, le rêve quoi, ventre super plat, je pense que vous rentrerez dedans. Mais moi, ça va être compliqué. Après... Ah oui, je me suis gavée au niveau des t-shirts, parce que j'ai remarqué en termes de t-shirts, il y a des t-shirts, j'avais jamais acheté de t-shirts sur Shein. Et en plus, là, j'ai payé en plusieurs fois. En fait, j'ai oublié de vous dire, ils font maintenant le paiement en plusieurs fois. Donc du coup, là, je crois que je paye 30€ sur 3 mois, un truc comme ça. Bon, je le fais pas tout le temps, hein, mais là, au moins, ça m'a permis de me rhabiller pour l'été et après, à payer de manière différée, quoi. Voilà. Oh, il est trop beau. Voilà, en termes de t-shirts, ils font des trucs trop magnifiques, on dirait presque du coton, je ne sais même pas si c'est pas du coton. Taille M,
asymétrique un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, il est trop beau. Et puis, encore une fois, ça se voit. Je ne sais pas ce que j'aime les papillons. Mais même avec mon jean et tout, je me demande si je ne vais pas le mettre tout à l'heure, vous voyez. Puis, ce papillon bleu est vraiment trop beau, quoi. Avec un jean, un pantalon blanc. Oh là là, il est magnifique. Et en termes de... En termes... Je ne vais que dire c'est magnifique, hein, je suis désolée. mais je comprends maintenant les youtubeuses qui craquent quand elles commandent des trucs bien, quoi. C'est trop bien. Lavage à 30, 65% polyester, 35% viscose, made in China. Mais j'ai envie de vous dire, je l'ai payé quoi, 7 euros. Ça, vous le trouvez en boutique. C'est une honte d'ailleurs. En bord de mer ou quoi, vous le payez au moins 20, 25 euros, ça. Hein. Donc, autant vous dire, de l'acheter sur Shein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ça est très bien aussi, les t-shirts. Après, je me suis pris une paire de lunettes de soleil. Alors, les paires de lunettes de soleil, j'étais épatée, quoi. 5 euros, je crois. Attendez, 5 euros avec, en plus, l'étui Shein. Très qualitatif. Avec, j'ai eu que des bons commentaires. Franchement, 5 euros avec ça. Et vous avez l'étui et tout. Et moi, j'ai pris cette inspiration parce que c'est les lunettes qui me vont le mieux, finalement. J'ai enfin trouvé ce qui m'allait le mieux. Bon, bien sûr, c'est pour faire style, hein. C'est pas adapté à votre vue, etc. Mais je trouve que ça fait le job. Et en plus, je suis contente parce que maintenant, j'ai trouvé la forme de lunettes qui va avec mon visage. C'est un peu aspect, entre guillemets, Ray-Ban. Et vous voyez, c'est ce qui me va le mieux, en fait, à la forme de mon visage. On me l'avait dit, mais c'est vrai que c'est que ça qui me va le mieux. C'est pile poil la forme qu'il me faut. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, je les mettrai. Après, ce n'est pas des vraies lunettes de soleil dans le sens où elles ne sont pas adaptées à votre vue. Mais pour faire le petit... pour protéger quand même du soleil et pour aller à la mer et tout, c'est plutôt pas mal. Puis pour le prix, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même ça. Et vous avez quand même... Alors là, j'étais vraiment épatée. Une jolie petite pochette Shein, quoi. Enfin, excusez-moi, mais je reprendrai des lunettes. Je crois que j'en ai pris 2 paires, d'ailleurs. Donc voilà, celle-là. Je suis vraiment épatée en termes d'accessoires. J'avais jamais commandé d'accessoires sur Shein. Je sens qu'un jour je vais faire une commande que d'accessoires parce que franchement ils sont pas chers. Hein. Là pareil, même prix, même qualité. Et là vous avez même pour laver les lunettes. Alors là, excusez-moi, c'est le pompon quoi. C'est trop bien. Et vous allez rigoler. Celle-là, je la trouve canon. Vous me direz. Elles sont en forme de cœur. Ah, il faut oser, hein, mais pour aller en vacances encore une fois. Les filles, elles se croient trop en vacances. Mais franchement, regardez. En fait, j'avais vu une femme, elle avait des lunettes en forme de cœur, une cliente, et j'ai dit, waouh, mais c'est trop original et tout. Et en plus, c'est encore une forme qui me va bien, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, oh, c'est trop original, j'adore. Bon, je sais pas clairement si je vais assumer, mais écoutez, hein, faut assumer dans la vie. Trop, trop mignon. Et franchement, je les recommande, les lunettes de soleil Shein, hein, avec carrément... le force pour laver et tout. L'autre, je sais pas pourquoi il n'y avait pas pour laver, mais bon, on va pas trop leur en demander pour le prix. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris des lots de ceintures, pareil, les ceintures pas chères du tout, parce que la mienne elle est en train de rendre l'âme. Ça fait longtemps que je l'ai en même temps, 3-4 euros, je crois. Et il y en a. Ça vaut les ceintures qu'on achète 10 euros en plus. Hein. Et il y a même pour faire les trous, regardez. La tige pour faire le trou supplémentaire. Va le monde. Que demande le peuple? Donc, vous avez camel, blanc et noir. Voilà. Donc, pas cher du tout non plus. Hein. Ensuite, mais j'en vois pas la fin de cette commande, je vous avoue. Oh, il est trop beau. Un petit t-shirt, pareil, en taille M, avec un petit chat, parce que j'adore les chats, avec marqué Heiss, trop mignon. À laver à l'envers et tout, comme tous les t-shirts. Mais franchement, mignon. A voir après si ça part pas dans le temps, mais ça, j'ai envie de vous dire, n'importe quelle marque, lavez-le bien à l'envers et prenez-en soin. Ça, c'est toutes les marques pareilles. Hein. Après. J'ai pris un t-shirt avec marqué Love. J'hésite aussi à me prendre celui-là français, là, vous savez, avec le...